voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Vacances au soleil. C'est le premier jour de vacances en Italie pour Peppa et sa famille. Ah, les vacances. Papa Pig s'est levé tôt et de bonne humeur. Je vais faire une petite promenade dans le jardin. Buongiorno, Monsieur Pig. Vous avez trouvé la piscine, à ce que je vois. Voici Signor et Goat. Son travail consiste à entretenir la maison de vacances. Papa est tombé dans la piscine. Ce n'est pas drôle. Mais si, c'est drôle, Papa Pig. Oh, oh. Après tout, vous avez peut-être raison. Je vous présente ma fille. Bonjour, je m'appelle Gabrielle Agot. Et moi, Peppa Pig. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-les nous. Nous aimerions faire du tourisme. Notre petit village est très joli. Je peux vous les faire visiter. D'accord. Laissez-moi le temps de me sécher et de m'habiller. Je ne fais pas trop touriste, j'espère. Non, absolument pas. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Papa Pig. Dans ce cas, en route. Voici le village de Gabriella. Ça, c'est la boutique des souvenirs de ma tante. J'aimerais bien envoyer une carte postale. À qui tu veux écrire? À mon poisson rouge. À ton poisson rouge? Tu n'as qu'à lui envoyer une avec la mère. Oui, Goldie, mon poisson rouge, il aime beaucoup l'eau. Des tam-tams, des tapis, des nains de jardin. Qui peut acheter toutes ces horreurs? Les touristes. Oh, bonjour. Buongiorno. Maman Pig achète toutes sortes de souvenirs. Maman Pig, il n'y a plus de place dans la valise pour toutes ces choses. Ce n'est pas un problème, Papa Pig. Ils vendent aussi des bagages. Voici le restaurant du village. Ciao, Gabrielle. Mon oncle, il sait faire de délicieuses pizzas. Parce que vous mangez aussi des pizzas en Italie? La pizza est une spécialité italienne. Oh, super! Moi, j'aime beaucoup les pizzas. On ajoute quelques tomates bien mûres et un petit peu de fromage. On met la pizza dans le four et... Hop, dans mon petit ventre. Il faudrait peut-être la faire cuire avant, non? D'accord. Peppa, on va écrire la carte postale pour ton poisson rouge, d'accord? D'accord. Écris que je pense à lui tout le temps. Mon cher Goldie, tu me manques beaucoup. Je t'embrasse très fort, Peppa. Mets ta carte postale dans cette boîte aux lettres. Au revoir, carte postale. Dépêche-toi d'arriver à destination. Pizza, pizza, pizza. Miam, miam. Peppa adore la pizza. Tout le monde adore la pizza. Alors, est-ce que ça t'a plu, Teddy? Oui, c'était vraiment délicieux. C'était vraiment magnifico, oncle Goat. Sachez que votre pizza gardera toujours une place particulière dans mon ventre. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Zut! Peppa a oublié Teddy à la terrasse du restaurant. Qu'est-ce que c'est agréable de passer des vacances aussi relaxantes. Oh là là! Voilà la police! Laisse-moi lui parler, Maman Pig. Bonjour, monsieur l'agent. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, mais je ne recommencerai plus. Monsieur Pig, votre ours en peluche. Mon Teddy! Merci beaucoup. Je n'ai fait que mon travail, signora. Peppa et sa famille sont de retour à la maison de vacances. C'est l'heure d'aller au lit. Avant, je peux téléphoner à Goldie le poisson rouge? D'accord. Papy et Mamie Pig s'occupent de Goldie le poisson rouge pendant que Peppa est en vacances. J'espère que nous donnons suffisamment à manger à Goldie. Allô? Coucou, papy. Est-ce que Goldie va bien? Oui, Goldie va très bien. Je lui ai envoyé une carte postale aujourd'hui. Dis-moi, est-ce qu'elle est arrivée? Oh, non, pas encore. Mais je suis sûre que nous la recevrons bientôt. Oh, bonne nuit, papy Pig. Bonne nuit, Peppa. Peppa et George se sont vite endormis dans leur maison de vacances.